Alors ça c'est un chromosome normal. Cet enfant est là une monosomie partielle du chromosome 5. Monosomie partielle. C'est-à-dire que ce n'est pas tout le chromosome qui manque, c'est un bout du chromosome qui manque. Il a une monosomie partielle du chromosome 5. Il est viable, mais il n'est pas normal. C'est déséquilibré. C'est déséquilibré parce qu'il y a une perte de matériel génétique. L'enfant, il sera plus ou moins débile, plus ou moins mal formé, plus ou moins dysmorphique, en fonction de la quantité de gènes qu'il a perdu, en fonction du chromosome touché. Il y a des chromosomes qui contiennent des gènes très importants pour la différenciation du cerveau. Si on les perd, on va avoir un cerveau mal formé. On va avoir des grands problèmes de développement mental. Il y a des chromosomes où il y a des gènes qui interviennent dans la différenciation de la face. S'ils sont perdus, on va avoir de grosses anomalies de la face. La dérision, cassure et perte. Je vous ai dit tout à l'heure que les deux chromatides, ça c'est l'image de la réplication de l'ADN. Ça peut se faire après ou ça peut se faire avant, mais de toute façon, la cassure touche les bras de l'ADN. Les bras du chromosome. On n'a pas une délétion qui touche une seule chromatide. Ça n'existe pas ça. Deux chromosomes, c'est les deux chromatides. Toujours comme ça. Et les deux chromatides, c'est l'image de la réplication de l'ADN, c'est le chromosome, c'est le même. On ne peut pas les subdiviser. Les chromatides, c'est le chromosome.
C'est-à-dire, à la limite, vous pouvez ne pas regarder vos enfants. Vous pouvez le regarder comme ça. Vous pouvez le regarder comme ça. Donc ça, c'est la direction du village. On peut avoir seulement une direction interstitielle. On peut avoir une direction interstitielle. C'est-à-dire deux cassures et une direction. On va écrire 46, ici, sur X, Y, L. Alors je regarde le chromosome 5, 1, 2, 3, 1, 3, 2. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette fille a perdu ce segment du chromosome 5 et elle va avoir les conséquences phénotypiques de cette perte. Elle va avoir une chromosomie partielle et son phénotype sera en fonction de ce qu'il y a comme gène dans cette région. Vous pouvez faire, vous recherchez dans l'internet, vous cherchez les gènes qui se trouvent entre 5, 1, 3, 2 et 1, 2, 3, on vous donnera la liste des gènes qui se trouvent dans cette région-là. Il y a des gènes qui interviennent dans le fonctionnement du cerveau, il y a des gènes qui interviennent dans la formation de l'estomac, il y a des gènes qui interviennent dans la formation de des membres, dans la différenciation de la face, et c'est des gènes qui interviennent dans le développement. Et si vous avez des anomalies dans cette région-là, vous saurez comment sera le phénotype de l'enfant. Il y a des photos, donc voilà des photos d'enfants qui ont des lésions de ces gènes, etc. Ça, c'est une monotomie partielle. Maintenant, donc ici, ici c'est la perte de ce segment. C'est ce qu'il y a entre les deux flèches là-bas. Alors, vous remarquez qu'il n'y a pas de ponctuation ici. Il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule, il n'y a rien de tout. Puis de droite, puis de droite, c'est un segment. Oui. Après, il y a le col bas, cassure, le col bas. Alors maintenant, si on fait les deux bouts, est à l'origine aussi d'une monosomie partielle, parce qu'il y a perte de gènes, monosomie partielle. Thank you.
carnet de 20 chromosomes, qui est 5, il y a une duplication de la région du 3-2 du chromosome 7. Ça sera quoi? Une trisomie partielle. Il y aura une trisomie partielle de ce segment. Et les signes cliniques seront en fonction de ce qu'il y a comme gène dans ce segment. D'après vous, qu'est-ce qui est plus grave? Une monosomie partielle ou bien une trisomie partielle? Une monosomie partielle est toujours plus grave parce que quand on a une monosomie, on perd des gènes, on perd des protéines, on perd des fonctions. Mais quand on a une trisomie, on gagne des protéines, ça gêne le développement, mais ce n'est pas aussi grave que la délétion. Donc c'est une trisomie partielle et c'est déséquilibré aussi. Alors, il y a une autre anomalie qui touche un seul chromosome, qui touche habituellement le chromosome X. Le chromosome X. Alors, le chromosome X, il a un bras court et il a un bras long, comme tous les chromosomes. Alors, des fois, on perd un bras du chromosome X, on perd un bras et on duplique le deuxième bras. Je vous le donne parce que c'est assez fréquent. Alors, si on a ça, on a perdu le bras long et on a dupliqué le bras court. On appelle ça un iso XP. Isochromosome. Iso XP. C'est le bras court qui est dupliqué. Et on a perdu le bras long. Donc la fille qui a ce chromosome, qu'est-ce qu'elle a? Donc on aura un chromosome normal plus ça. On aura un chromosome X normal et deux. Donc ça c'est P, ça c'est Q, ça c'est P et ça c'est P. Elle aura quoi? Elle aura trisomie. Pour tout le bras court et une monosomie pour tout le bras long. Elle a des quêtes de gènes et des quêtes d'autres gènes. Celle-là aussi, elle aura l'alternative de Turner. Les autres chromosomes, ils touchent que le chromosome X dans le constitutionnel. Pour les tumeurs, ça touche d'autres chromosomes. Mais pour les constitutionnels, c'est pratiquement toujours pour le chromosome X. Alors, l'iso, on peut avoir un iso XP ou P ou bien un iso XQ. Alors, on écrit 46,X, iso XP. Alors, dans la formule, on écrit I. Pour dire iso, chromosome. 46, XIXP. Donc ça c'est le X normal et ça c'est le X anormal. Si c'était un iso XP, on écrit 46,XIXP. Dans les deux cas, c'est des tumeurs. Ce sont des variantes de tumeurs. Une fille qui perd un chromosome X ou un bout de chromosome X, c'est un tumeur. Mais le tumeur, il peut être plus ou moins sévère. Quand il n'est pas très sévère, c'est une aménorrhée secondaire. C'est une insuffisance ovarienne prématurée. Mais quand une fille perd un bout de X ou un X, c'est un tumeur, c'est une forme de tumeur. Parce que le deuxième X est obligatoire pour la différenciation de l'ovaire. Vous avez compris ça, le deuxième X est obligatoire chez l'embryon. Mais il n'est plus nécessaire après la naissance. C'est pour ça qu'il devient inactif. Chez la fille. La fille, elle a un seul X actif. Mais quand elle est embryon, les deux sont actifs. On aura besoin des deux pour la différenciation de l'ovaire. Voilà, donc ça c'est une anomalie qui touche un seul chromosome. Il reste une anomalie de la naissance
Alors, on peut avoir une adrénaline qui touche cette région. Le chromosome va casser ici et s'inverser. Ça va donner un chromosome qui vient. Se mettent en face à face.
l'un paternel, l'autre paternel. Ici, c'est rouge, ici, noir et vert. Si j'ai du rouge et vert, c'est la même chose. Celui-là, c'est le paternel, celui-là, c'est le maternel. Alors, quand ils sont tous les deux normaux, ça va. Ils sont identiques. Mais si l'un est inversé et l'autre est normal, comment ils vont s'apparier? Ils sont obligés de s'apparier. Comment? Comment ces deux chromosomes vont s'apparier? Il faut que A soit en face de A, B en face de B, C en face de C et D en face de D. Ils sont obligés de faire une gymnastique. Gymnastique, voilà comment on fait. Les gamètes seront équilibrés. Et quand ils sont dans la boucle,
les gamètes seront déséquilibrés. Que faire alors pour éviter l'enfant, la naissance d'enfant dans le monde médical? À chaque grossesse, on fait un cariotype. Si on trouve le cariotype normal, c'est que le prochain gouvernement a eu lieu. On garde la boucle médiatique, on laisse la grossesse évoluer. Si on trouve un cariotype anormal, on est obligé d'arrêter la grossesse. C'est ce qu'on appelle une interruption thérapeutique de grossesse. Ça, c'est la version. Vous faites la même chose chez vous pour les versions paracentriques, vous trouverez aussi que les anomalies apparaissent quand il y a un crossing ovaire dans la boucle médiatique.